Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo. On est le jeudi 8 juin. Nous sommes la veille de partir au 24 heures du Mans. Et donc, il est temps pour moi de faire mon sac. Crème solaire, lunettes de soleil, petite pochette qui peut pas prendre l'eau, avec à l'intérieur médicaments, des compides, des bouchons d'oreilles, une serviette qui prend pas de place. Bien sûr, casquette. Et normalement, avec tout ça, on est pareil pour partir demain. Du coup, on est arrivé. On va venir chercher Bab. Pour partir au Mans. Direction le Mans. Le Mans, Bab. Donc, bah là, on y va. Ouais, mais eux ils doivent marcher. Du coup, on est bien arrivé au Mans, sauf qu'on est un peu perdu. Donc là, on essaye d'aller à une boutique officielle pour que Bastien puisse faire ses petites emplettes. Mais voilà, on va le drouiller parce qu'on a du mal à se repérer. Alpine, où il y a quoi, Bastien? Bah, l'Alpine A424B, la nouvelle. Ok, qui va courir l'année prochaine. Normalement, ouais. Ok. Et dehors, il y avait la... A110R Le Mans. Ok. La dernière. En édition limitée. Bon, du coup, c'est la grosse pluie, premier orage qu'on se prend, qui sera pas le dernier, je pense. Puis derrière, ça suit moyennement, voilà, et ça se plaint déjà de la chaleur. C'est la pluie. C'est l'orage. On part pour aller où, Bab? Lausanne, sur la piste. Du coup, on a trouvé une navette.
pour y aller. Ouais. Et, ouais. Et ski barrière, on peut aller sur la piste. Ouais, dans la Hunaudière. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Eh ouais, c'est les bouchons. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Non, arrête avec ton truc BM là. C'est les meilleurs. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Bab. Il y a des 205 pas la meilleure voiture qu'on ait vue aujourd'hui. C'est pour ça en fait quand tu te dis faut. Bah, du coup, ça y est, on a fait le tour de Mulsanne. Donc, on va essayer de retourner porte est, ravoir une navette. Et retourner à notre camping. Donc on attend la navette. On a tout acheté. Vous avez tout acheté, vous avez bien raison. Vous avez comment, monsieur? Pardon? Vous avez comment? Eric. Eric. Et voilà, c'est pour notre chaîne YouTube. Donc, monsieur Eric, qui est conducteur de navette pendant les 24 heures du Mans, qui a une Jeep Willys chez lui, de Navy. C'était tellement probable de se dire que là, vous pouvoir discuter de Jeep. Non. Xantia. Porsche. Xantia. Porsche. Première journée au Mans, Bab. Le okay. Constat, c'est qu'on aurait dû emmener un barbecue. Ah bon? Oui. Mais on n'a pas de place dans la voiture. Nous avons fait 16 000 pas, pratiquement 17 000. On a bien marché. On a fait 17 000 pas aujourd'hui, Baba. Donc on se retrouve demain, de bonne heure, à la porte est pour entrer dans le circuit. Voilà. Bab. Qu'est-ce qu'il y a? Jour J. Ouais, jour J. On arrive, il est 7h45 pour rentrer dans le circuit. Il est 7h45. Ah bah c'est à ouvrir avant 8h alors. Voilà. Bon voilà. On va ranger les trucs.
Il y a plein de vieilles voitures. Un petit tour au village. Baba, quels sont les objectifs là? Acheter. Acheter quoi? Tu cherches un truc Corvette toi? Non? Oui? Bon, d'accord. Oh, c'est en Lego. Ouais. Bah, du coup, on revient à la boutique ACO. Enfin, de la boutique officielle, où on a trouvé une casquette, mais c'est très compliqué, il y a énormément de monde. Et là, on va essayer d'aller à la boutique Ferrari. Hôtesse pour Michelin pour toute la semaine là? Non, pour le non, week-end. Pour que le week-end. Et voilà, et moi je suis là hier aussi. Mais du coup, ça vous fait des grosses journées, que je sais pas quels horaires vous avez, mais. Non, ça va, c'est raisonnable. Ça va, oui, ok. Ça va. Ouais. Et du coup, vous êtes souvent hôtesse dans le milieu automobile? Dans l'événementiel. Dans, un peu de tout en fait. Pour les 24 heures, le Grand Prix moto aussi. Ah, d'accord. Et puis le Mans classique. Mans classique. Ok. Bon, bah merci. Avec plaisir. Bonne journée. Du coup, Bab, nous avons trouvé notre place pour la journée, non? Faire un barbecue? Faire un barbecue? Bah non. Bab, hein? Quelle est ta voiture préférée? Bah, la Corvette. Esthétiquement? Bah, la Corvette. La Corvette. Corvette. Pourquoi? Juste parce que c'est jaune en fait? Non, parce que c'est américain, parce que ça a une gueule, parce que c'est reconnaissable, parce que tout, tu vois. D'accord. Tout. Monsieur B, ta voiture préférée? L'hydrogène. Celle-là, là, la voiture hydrogène. La voiture hydrogène. Bon, d'accord. Moi j'aime bien esthétiquement. La plus réussie, je trouve, c'est la Peugeot. La Peugeot est des. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, j'aime bien la couleur de la Peugeot, mais ça se limite à là. Non, mais on l'a vu en vrai au salon. C'était où qu'on est parti? Rétromobile. Au salon ouais, Rétromobile, mais... elle est bien de près et tout ça. La couleur est parfaite. Hein. Mm-hmm. Mais là, je trouve que la couleur est mieux. Mais. La Corvette est c'est clairement abusé. Mieux. Ah bon? Bon bah, merci pour ton avis plus ou moins éclairé. T'es là aussi? Oui. On va se mettre dans la queue. Bah ouais. Bah ouais.
marché français. Du coup, j'espère qu'on m'entend parce que c'est très bruyant, ce qui est normal du coup. Ça fait 2 heures qu'on est au même point. C'est très difficile de bouger de place parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Si on fait un petit point sur le classement après 2 heures de course, ça me fait Porsche, Toyota et Porsche, il me semble, sur le podium. Voilà. Un point classement à 19h. Ouais, Porsche, il y a 2 secondes de Peugeot qui mène. Voilà. Encore bien, là. Ça fait Peugeot, Porsche. Peugeot, Porsche, Ferrari. D'accord. C'est Porsche, Porsche, Ferrari, Ferrari. Ouais, ils se sont arrêtés au stand, Peugeot. Porsche, Porsche, Ferrari, Ferrari. Oh. Baba. Oui. Un peu de drapeau jaune, ça manquait. Ah ouais, encore. Voilà, moi j'aime bien aller voir les gens comme ça. C'est quoi ta chaîne? Ça s'appelle Pacord. Alors on fait surtout du rallye, nous. C'est pareil, je vais voir les pilotes régionaux. Je leur demande comment ils vont. J'adore, mais là on est hôtesse, hein. Franchement, on a un petit poste. Bah alors, du coup, vous faites quoi dans votre journée? Rien. On profite de la course, c'est trop bien. Ouais, bah ouais, on est arrivé quand même à profiter. Ouais, parce qu'en fait, on arrive de. On fait 10h-14h. Ouais. Après, on fait 19h30, minuit. Ouais. Tout l'après-midi, on est là, on profite. Ok. On paye pas, un truc gratuit, c'est trop bien. Donc vous êtes à côté ouais. Dans le bâtiment. Ok, super. Voilà, faites vos tests, faites des événements, c'est ouais. Génial. Méga, merci. On a fait 10h-22h là où on était, donc on bouge un peu, surtout qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc on va essayer de rallier le musée en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Attention,
parce qu'on sait faire fouler, parce qu'en gros on a des chaises avec nous, des chaises pliantes, et que si on voulait rentrer, il fallait les laisser à l'entrée comme ça, bref, à l'extérieur. Donc on va essayer de trouver notre endroit où aller pour la nuit. Glissement de terrain pour la part d'un jeune homme à côté de moi. Ça manque, tu manques de grippe. Oui, sur le fait accompli. Peugeot, Baba. C'est Peugeot qui est devant. Qu'est-ce que t'en penses? Ferrari, Toyota, ils vont remonter. C'est Peugeot qui est devant. Retour au camping. Bon voilà, fin de première, enfin deuxième journée. On a parcouru, sur ma montre, ça indique 14 km. Voilà, voilà. Bon, bah, on se couche pour pouvoir se lever assez tôt demain matin. Bon, bah, dernier jour.
c'est le retour dans le circuit. Tu connais la rôtisserie du Mans? Ouais, je connais bien, ouais. On rôtit comme un poulet. Tout à fait. On se dirige vers la sortie. Simplement. Simple et efficace.